Ouais, dans l'ensemble aujourd'hui ça s'est quand même bien passé pour moi. J'ai réussi à aller jusqu'en finale. C'était pas facile. Dès le quart de finale, j'ai été mis en difficulté. Il a fallu que je me batte jusqu'au bout et doubler des athlètes dans la descente pour les doubler juste sur la ligne. Et en demi, ça s'est répété un petit peu. Voilà, je suis arrivé en finale sur le fil, en ayant donné déjà le maximum. Et voilà, je savais qu'il fallait que je termine deuxième par rapport au résultat que Michele venait de faire. Et voilà, j'ai fait le maximum en finale, j'ai pas réussi, donc pas de regrets. C'est... Toute la saison a été bonne pour moi et voilà, c'est comme ça. Cette course, ça s'est super bien passé. Comme je dis, c'est vrai que j'étais assez stressée encore aujourd'hui, même si le général s'était fait. Et puis il fallait pas non plus que j'aie un résultat de dingue pour prendre le ranking du sprint. Mais j'avais vraiment, vraiment à cœur de bien finir cette saison sur la meilleure note possible. Avec ma famille qui était là pour m'encourager, c'était une première. Et donc voilà, c'est vrai que c'est très émotionnel pour moi aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile, c'était vraiment pas gagné. J'ai failli sortir en quart de finale, donc au final c'est passé. J'ai pris manche par manche et je suis allée jusqu'au bout et ça valait le coup puisque je finis un podium avec Émilie en France, donc c'est que du plaisir. Assez incroyable, en fait ça fait deux jours, je me sens pas très bien, je suis pas top et puis là j'ai décidé de poser le cerveau, me concentrer sur la course et puis course après course, manche après manche, ça allait super bien sur le haut du parcours à chaque fois je revenais. J'ai gagné mon quart, ma demi. En finale, je suis parti, j'étais super bien. Ça jouait le podium jusqu'en haut. J'ai fait une erreur sur toute la course, ce qui m'a coûté le podium senior, mais je gagne en U23. Je fais mon premier top 5 senior. C'est incroyable finir la saison là-dessus. Très content et puis hâte de revenir pour encore mieux.